Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle VOD de stream de Sabré. Coucou, j'ai la caméra. Enfin, on peut voir ma calvitie. Fabuleux. du coup, sans plus attendre, on a récupéré les contrats du jour. Donc, c'est la blinde, hein, c'est le gros bordel. Donc, on va les faire en commençant par deux épreuves parce qu'il y a la daily plus un autre contrat. Donc, deux manières de faire très vite. Très très vite, on va aller faire ça. On va se retrousser les manches, littéralement. Quoi qu'en vrai, attends, j'ai assez chaud. Ah. Non, on va pas faire ça, c'est une erreur. Fouf. Ah. Bon. Allez, taguons l'Iron Banner et en avant. Pour de nouvelles aventures. Donc deux Iron Banner, en suivi de un allumage de forge. Suivi de tous les contrats de la forge possibles et imaginables, tout ce que je peux faire là maintenant. Il va falloir aller finir la cité des rêves, récupérer l'item puissant, parce que voilà, juste histoire de faire des compos, ça pour le coup. On a un stade où je vais bientôt pouvoir les ignorer totalement, donc. Mais. Et ensuite, je sais pas trop, et on va se laisser guider par qu'est-ce qu'il y a. S'il y a Darkest qui arrive, on va aller faire des Nightfall peut-être. Probable. Et du coup voilà. Ça dépend de qui y a, si je suis tout seul ou pas. Ça dépend de plein de trucs. Sur ce, la petite pinte de thé, toujours pratique. C'est chaud. Aïe. Ça brûle. Ah. Bon, désolé, je suis un peu jaune, mais j'ai pas le choix. Parce que l'ampoule de ma lampe est jaune. Normalement c'est blanc. Mais les murs sont blancs. Tout est blanc, mais la lumière est jaune. Oh Mars! Allez! Donc la bannière de fer. Du domination PVP, un peu tranquille. Enfin, tranquille, non, pas vraiment. Alors. C'est celui-là? Ah oui, c'est celui-là. Ah, mais c'est celui-là! Tac. Bon, là, ce coup-ci, du coup, j'en ai marre. Donc j'arrête complètement de chercher à faire des trucs, des machins. Voilà, bon, j'étais con. Ça c'était de la stupidité ça. Eh oui. J'ai foncé dans le tas comme un gros couillon. Je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas faire ça. Capturer le point. You captured zone B. Zone advantage is yours. Zone C lost. Je suis très curieux de tester le poison du monarque. En fait. Il est là-bas. Ah ouais, non, ça met des dégâts. Ils sont fait défoncer. Allez poison. Meurs, 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 meurs. Ah non. Ah, ça fait pas assez de dégâts. Tristesse et damnation. Ah, enfer et désolation. Non. J'y arrive pas. Ok, stop. On va arrêter tout de suite. On va partir comme d'hab parce que j'ai pas du tout assez l'habitude. Zone B lost. Aïe. Il était là lui. Damned. Non, c'était moins nul mais c'était pas ça. Allez Vroom, continuons. Ta 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 ta, bienvenue. Bienvenue. Sur un stream, pas barbu. Car je ne suis pas. Your opponent's lead has grown. Oh, nice. Il l'a snipé. Ah merde, non, la vitre. On peut pas tirer parce que la vitre. Ah. Salut.
Oh con. Ouais, non. Ok, je l'ai brain plus ou moins. On va dire que c'est le talent. On va dire que c'est au talent. Ok, non. Non. Ouais, mais le problème, c'est qu'il fallait éviter l'autre avec son ult, là. Ok, on va se faire fumer. Remarque, c'est pas grave. Perdons vite. J'ai deux games à faire et je m'en fous de gagner à ce stade. Go, go, go. Ça me va, moi. Attends, faut que je fasse 3 kills super, c'est ça? Oui. En avant, en avant. On va se grouiller, on va suivre le pote. Yeah, boy. Yeah, boy. Il s'appelle vraiment yeah, boy. Allez, dégage. Zone B captured. Two zones are yours. You captured zone A. Everything is yours. Relish this time. Mm-hmm. Intéressant. On peut leur refaire la même que ce qu'ils ont fait tout à l'heure ou pas? Non, raté. Ah, sagouin. 5 minutes. On le sent, le KDA négatif. Oui, il va arriver, il va arriver. Il est là, il est là. La digestion est fatale. You captured zone A. Zone advantage is yours. Au revoir. Reviens. Oh, il l'a tué. Nice. Zone B lost. Captured zone C. Zone A lost. Ouais, non, mais ils sont trois. D'accord, ok. Pardon, pardon, my bad, hein. Ah. Vite capturé. Je veux être là. Ah, nice. Juste pour valider le contrat. Non, mais. Ah, Blast Furnace, ça fait beaucoup trop mal. J'ai trop de gens qui jouent au Blast Furnace, ça me gonfle. Faut que j'aille le crafter après, très vite. Hein? J'ai eu deux items, pourquoi? Fight Cry's Fall, ça c'est le bon, c'est celui que je voulais. 66-76, oui, une bonne roost. Allez hop, on s'en fiche! Du cœur à l'ouvrage. 1,0, ouhou, c'est pas loin du KDA négatif. C'est pas loin. J'ai pas contribué à la défaite, mais j'ai pas contribué à la victoire non plus. Puis d'un côté on a perdu. Lucifer Reported. Quoi? Pourquoi? Il avait fait quoi? Hein? Lucifer Reported? Qu'est-ce que... Quoi? Comment ça? Sniper. Non, on s'en fout. Attends, quoi? Lucifer report... Qu'est-ce que... Quoi? Comment ça, reported? Il t'a fait quoi, mon gars? Attends, on relance la deuxième, du coup, vite fait. Oh, en avant!
Oui, donc attends, hop, trier stuff. Bonjour, toi, dégage. Comment ça, reported? Quoi? Il y a un mec qui reporte un autre mec. Pourquoi? Attends, stop. J'aimerais une. C'est bien parce qu'ils expliquent pas. C'est ça qui est beau. Ils se reportent entre eux de partout, mais report pourquoi? Il a rien fait, il a juste gagné. C'est grave? C'est-à-dire qu'il était en résilience 10, donc ouais, il était invulnérable. Enfin, vulnérable. Peu tuable par des armes standards. Continuons notre œuvre de destruction massive. En avant vers une nouvelle défaite scandaleuse du joueur de type sabré. Car le PVP, c'est pas mon domaine. Surtout, je m'en fous en fait. C'est plutôt ça le problème. C'est, je m'en fous. Gagner, c'est bien, mais vu que les objectifs dans Destiny, c'est terminer les games et pas gagner. À moins qu'un objectif me demande de gagner, auquel cas je vais try un peu. Je suis pas très chaud. D'autant plus qu'il y a beaucoup, beaucoup de taf à faire et que si on peut perdre vite, ça me va aussi. C'est con à dire, hein. J'avoue, c'est débile à dire. Je suis d'accord, hein, mais c'est. C'est le problème de Destiny avec ça, c'est. Il motive pas à gagner. Il n'y a pas de motivation à la victoire. Les objectifs, c'est toujours terminer le show de truc, c'est pas gagner. Ça, je trouve ça un peu bizarre. C'est bizarre. Je trouve l'approche un peu bizarre, Wade. Et bonjour, les gens. Ah, vous venez de chez Némé, vous, hein? Oui. Alors, je commence à avoir trop chaud, moi. Ça va pas du tout. Du coup, enlevons des vêtements. Oui. Bienvenue sur un stream non fun rire avec moins de barbe. Je suis désolé. Beaucoup moins de barbe. Alors, on balance les pulls plus loin. Allez, on est chaud. On se chauffe. On décontracte. Et on y va. En avant. Allons se faire rouler dessus par des gens. Parce que c'est drôle. Puis allons rouler sur le reste du jeu. Pour compenser. C'est vrai qu'on me voit pas taper du poing sur la table, c'est dommage ça. Si je fais ça. Donc là je me sers de la caméra de mon PC portable. Ce qui est complètement bizarre. Je suis désolé pour la qualité et pour le lag. Parce que j'avoue que la caméra lag. Ce qui est quand même dramatique. Ah, en avant. Iron Banner. La bannière de fer. Oui. Plus de bannière de fer. Fight and prevail. La bannière de fer qui sert à tout faire. Bienvenue sur Destiny. Je suis désolé, c'est pas Pass of Exile. Voilà. Mais, m'en fous. Oula. Attends. Non, mais ouais, mais non. Parce qu'en fait. Alors, attends. Zone C captured. Oh putain, sérieux. Hein? What? Qu'est-ce que. Damned! Il m'a chopé à la. Oh non. Opponent claimed zone B. Oh, je l'aime pas celui. Attends, quoi? Mais pourquoi vous faites rouler? Excusez-moi. You captured zone B. Zone advantage is yours. All of you together, like Iron Lords. Zone C lost. Non, arrête de me pousser, Bob. Attends. Non! Oh purée, ils l'ont eu. Wouhou, j'ai tellement raté le con mêlé. Je l'ai tellement raté. Non. Dommage, je pouvais pas sortir de ça. C'est aussi le fait que le PVP me fait un poil rajouiller. Un chouïa. Et je ne m'aime pas quand je rage. C'est pas bien. C'est mal. Hein? Oui, oui. J'ai ma grenade bientôt, moi. Excusez-moi, oui. Je l'ai eu? Oh merde, je l'ai eu. Non! Ouais, mais celui-là, je pouvais pas m'en sortir. Non, ouais, non, le 1v3, le 1v3, c'est... Mauvais plan, le 1v3, mauvais plan. Très mauvais plan, ça. C'est une histoire dramatique. Attends, quoi? Aïe. Ah, pas un seul qui est mort. Ok. Cette grenade n'a servi à rien.
Et je me sers pas du tout assez de la grenade alternative. Bienvenue dans la vie d'un noob. Allez, en avant. J'avoue, je me sers pas du tout assez de la grenade de lave. C'est quoi? Comment ils appellent ça? La Pocket Supernova? J'aime bien le nom, mais... Non! Mais oui, mais non! Il était en distorsion, lui. Non? À l'aide! Je vous aime pas, vous! Bon. Encore! Ah, oh, putain! Oui, d'accord, ok. Ok! Je sens que ça va être le bon coup de savate. Je suis pas dernier, tiens. Mais ça va être la savate, hein. D'accord. Quoi? Comment il m'a poussé? Plaît-il? Comment? Attends, ça c'est juste comment? Roxas Corbeau, n'empêche, c'est ouf à quel point je suis incapable de déterminer l'apparence d'une personne avec juste sa voix. Mon image mentale était pas pareille. Ah, bah coucou! Oui, pourquoi? Tu pensais quoi? Qu'est-ce que... Hein? Comment ça? Mon image mentale était pas pareille. D'accord. Salut! Arnaud, enchanté! oui, d'accord. Mon image mentale n'était pas pareille. En général, c'est rarement bon, les images mentales. Souvent, hein, souvent. Sans vouloir trop... Alors, rendre les contrats, rendre, j'ai gagné, oui, gagné, machin, toi tu peux dégager. Ah, Arc Final Blows, ah oui, bah c'est ça que j'ai pas fait. Il faut que je fasse un assaut de l'avant-garde, il faut que je fasse des kills super, on s'en fout n'importe où. Ça on peut l'ignorer, je retournais pas au Gambit tout de suite. Il faut que je fasse quoi? Faire des kills à l'arme puissante, attends, et le pire c'est, je crois, qu'on m'a un jour passé une photo compromettante de toi, j'aurais dû corriger dans ma tête. J'avais diffusé à un moment une photo compromettante de moi, très très sous sur mon canapé, serrant amoureusement un cubi. C'est peut-être de ça dont tu parles. Ça peut être ça. Je peux pas promettre, mais ça peut être ça. Oui, celle-là. Ça, c'était moi. Mais c'était moi version... C'était moi il y a longtemps, version beaucoup plus gros, déjà. Genre, j'étais fat à l'époque. C'était le moi version 120 kilos. C'était le moi version... En mode comme ça. Et gros, et très beaucoup plus. Genre j'avais pas tout à fait la même... J'étais plus bouffi, on va dire. On peut dire ça? Oui. J'étais plus bouffi, j'étais moins entraîné. Beaucoup moins. Allez hop, on va aller faire un assaut vite fait. Du coup effectivement, peut-être que ma tête a bougé un peu. Et tu t'es rasé pour le Z-Event. Je n'ai pas participé au Z-Event, madame. Personne n'a proposé. Mais non, mais non, ça pour le coup, au bout d'un moment, les cheveux, ça m'énerve. J'avoue, ça c'est un truc, les cheveux, ça m'énerve. Du coup, tondeuse et bzzzt. Non, les cheveux m'énervent juste. Il y a un moment où les cheveux m'énervent. C'est dramatique, les cheveux m'énervent. Je sais pas pourquoi. Je ne me l'explique pas, voilà. Je ne l'explique pas. Non. Après, des fois, on a fait des paris stupides. Genre, un jour, c'était quoi, déjà? Bon, ok. Cette histoire va sembler extrêmement sordide, et je la sortirai pas maintenant, parce que je suis en train d'enregistrer. Mais, j'ai une histoire sordide après. Après l'assaut. Désolé pour la VOD et pour YouTube, vous n'aurez pas cette histoire sur YouTube. Je suis pas tellement... Ouais, plus tard. This is a priority rescue mission. Designated ID Operation Caliban. Excuse-nous, YouTube. Ouais. Ah non, mais... Une histoire un peu sordide à base de rasage de tête. Qui a fait baliser plein de gens. Ah, y'a pas d'ennemis? D'accord. Je l'ai raté. Tink. Ça alors, un piège. Bonjour.
On va aller juste faire l'assaut vite fait. Hop. Ça c'est juste pour le contrat de ces couillons de la Black Armory. En avant. Boum boum. Allez, tenir la position. On dirait du StarCraft. Survivez 30 minutes. Excusez-moi vous. Non, raté. Raté? Ah non, à moitié raté. Mais... Non! Quoi? T'as ma flèche plantée dans le corps, toi? Oui, je pense. Disparaît vilain. Donc là tu fais du PVP. Plus maintenant non. J'ai fini mes deux games de PVP. Ça c'est l'équivalent. Si on veut rapprocher d'un truc classique de RPG, ça c'est l'équivalent des donjons. Là je suis en tag HM aléatoire. En tag donjon HM aléatoire, tu sais les daily héros, tout ça. Donc c'est du no brain, face roll, tout ça, et on roule dessus. Voilà. C'est du donjon HM 380 en étant 380, tu vois, c'est. C'est du donjon HM pas dur. Ce serait l'équivalent d'un donjon HM, globalement. Parce qu'il y a un équivalent du MM+, du coup, qui est beaucoup plus chaud et où t'avances pas pareil, hein, du tout. Et là, l'idée de celui-là, c'est que... On a un pote qui est appelé à l'aide, mais quand on arrive, il n'y a plus de pote. Et le pote a été transformé en cristal chelou. Le pote a été drainé de son énergie et transformé en cristal. Hello. Ce qui est un peu bizarre. Mais non, le PVP c'était avant et c'était les deux défaites d'avant. D'avant. J'ai mis un T. Pourquoi j'ai mis un T? Pourquoi j'ai prononcé le T? What the fuck? Yahoo! Bonjour. Scannage. Alors, quelle porte va s'ouvrir? Tom. Ce donjon-là, il est un peu spécial parce que les deux portes peuvent s'ouvrir. On sait pas laquelle des deux portes va s'ouvrir et ça fait un loop et ça revient à l'autre du coup. Oui. Allô. Oui. Ça brille jaune par ici, c'est celle-là? Absolument pas, c'est là-bas. Vroom vroom! Avec des affixes et tout, genre... C'est du donjon aléatoire. Excuse-moi. Quoi? Attends, il est où? Oui, numéro 6. Attends, quoi? Attends, quoi? C'est moi ou il nous manque un cristal? Ah! Intéressant! Red Hot Indian, mon dieu. Bon, c'est les donjons façon Destiny. Ça s'appelle des assauts, c'est à 3 joueurs et... C'est des runs comme ça avec des mini-boss et un boss à la fin. Enfin, boss. Ouais, on est en HM quoi. C'est comme si t'étais overstaff en donjon HM, c'est... boss c'est relatif. Alors, pour échouer, faut quand même y aller quoi, c'est... Thank you.
J'érupte de joie. Bonjour. Ta 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 ta. Non, le PVP du coup c'était tout à l'heure et juste avant. J'ai expédié ça en 2 secondes parce que j'aime pas ça. Enfin, c'est pas. Enfin. J'aime pas ça et le jeu m'incite pas à être chaud de gagner, disons. Parce que comme je disais tout à l'heure, Destiny n'incite pas à la victoire des masses. Parce que je... Ah, j'aime bien le fait qu'ils aient fait ça, parce que du coup ça permet de c'est plus facile du coup de farmer le PVP. Mais je conteste un peu quelque part le fait de... En gros tous les objectifs liés au PVP, quasiment tous les objectifs, à part 2-3 contrats occasionnellement, 2-3 trucs occasionnellement optionnels, 99% du temps l'objectif c'est terminer un BG, c'est pas gagner le BG. Du coup, ça incite pas des masses à la victoire en fait. Tiens, son shadow, ouais. Pourquoi? Hmm? Quoi? C'est pas moi qui l'ai? Non. Je trouve que ça incite pas des masses à la victoire. Ok, ça par contre... We've been able to use the void light against the hive twice now. Really? Then my friends didn't die for nothing. Non, là c'est vraiment chanter tout en farmant. On en est là. La 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 la. Coucou. Meurs. Non, joue à quoi, lui? Don't come down here. Ne venez pas en bas. Ouais. On va où? En bas. Tout en bas. Sauvez les poteaux. Y a pas de plan B. Le plan B, c'est de la merde. Il y a un plan A et on gagne, c'est tout. Point. En avant. On est censé être des machins mi-divins, immortels, tout ça. T'inquiète, on va juste gagner. Je suis en colère. Il est mort? Oui. Ok, le super qui s'arrête pile à ce moment-là, c'est pas bon. C'est marrant ça. Donc ça, c'est le boss. On ne peut pas empoisonner, tiens. Non. Bonjour. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi? Ah, rouvre-toi. Mais rouvre-toi, vilain. Ah, et tu m'étonnes que ça fasse des dégâts, ce truc. Salut. J'ai justement un magnifique sniper à te présenter. C'est un pote. Mais arrête-toi, toi! Ouais, arrêtez d'embêter les potes. D'accord, ok, lui il est parti au bâton foudre de la moelleté. Non, on n'a pas réussi à zapper la phase. Damned. Oh bonjour. Là, le problème c'est que le boss est invulnérable et qu'il nous tire dessus. Ouais, stop. Rise le poteau. Allez poteau. Aïe!
Ce qui est marrant avec les strats de boss dans Destiny, c'est que si on tue le boss, les traces disparaissent. Après, d'un côté, la moitié des traces sont infinies. Coucou. Oui. Ils se sont tous sacrifiés pour qu'on gagne. Oui. Mais du coup, c'était des PNJ, on s'en fout. Oui. Ah, j'avoue, tous ces scénarios. On les adore, hein. En avant. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, activité suivante. Alors, déjà, on va commencer par rendre le machin du clan. Ah, j'ai fini le bordel du clan. Super. On va l'identifier, du coup. Oui, oui, oui. On va aller faire un petit tour vite fait, aller récupérer ça. Oui. Allez, hop. Petit tour à la capitale. Ce sera la fin de cette VOD, du coup, sur le PVP vite fait et l'assaut. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Sabrae out.